Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo de unboxing. C'est un produit que j'ai commandé sur Amazon, j'espère que la caméra est bien placée. C'est un produit que j'ai commandé sur Amazon, ça vient de rentrer. Le gars de UPS vient de sortir, la boîte, je viens de recevoir la boîte. On va ouvrir ça, j'ai bien hâte de voir. Ok, la boîte, c'est une boîte dans une boîte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on a la boîte. J'ai commandé le modèle original, mais je sais qu'il y en a des plus haut de gamme. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Même goût délicieux, mais c'est un nouveau branding. Ils l'avaient dit dans leur keynote qu'ils changeaient un petit peu leur branding. Ça, c'est la surface de la boîte. Ah, intéressant. Ici, on a toutes les instructions. Comment manipuler l'appareil. La date ici. Intéressant. On les a en anglais aussi. Ah non, c'est tout en anglais. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est un produit... Ah non, ok. Les instructions en français sont ici. On a les instructions en français. Déverser, tout ça. Code barre. Craft. Ah, ça c'est intéressant, ça. On a les specs. La fiche technique. Tiens, pour ceux, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ici. FAT. C'est formaté en FAT 2.0G. C'est important le G. Cholestérol 5 mg. Sodium. C'est tout des specs. Ah, ça c'est intéressant ça. Ici, c'est le nouveau standard vitamine C. Mais ça va fonctionner quand même avec l'ancien standard qui était vitamine A. Si votre système, si vous avez un vieux système. Qui fonctionne vitamine A, ça va quand même fonctionner, mais vitamine C, moi je vous le, si jamais à un moment donné, là, va peut-être falloir mettre à jour vos systèmes, parce que à cette heure, c'est le nouveau standard, vitamine C, fer, c'est important, le produit, on voit que le produit, tu sais, c'est quand même de la qualité. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ah, ça c'est un chiffre intéressant, 45%, folate. Souvent, les vendeurs, ce qu'ils vont faire, ils vont dire 22-25% folate. C'est bien en masse. Moi, je dis, allez-y jamais, jamais en bas de 40%. Si vous voulez pouvoir utiliser votre produit le plus longtemps, qu'il soit le plus efficace possible, qu'il vous dure longtemps, qu'il soit efficace. Parce qu'à cette heure, aujourd'hui, avec l'obsolescence, vous allez crier, là, vous allez chialer. En bas de 45%, 40%, gros max, jamais en bas de 40%. Ah, on va l'ouvrir, j'ai hâte de voir ça. Il y a un petit pointillé ici. Je veux pas abîmer le produit non plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, on le voit un petit peu. Ah, on a toutes les composantes. On a une enveloppe. Ça, c'est une enveloppe. Il n'y a pas grand-chose d'écrit sur l'enveloppe. Il va falloir que je lise dans les instructions. Comment utiliser ça, l'enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être l'ouvrir, hein? Je sais pas, faudrait faire attention quand même. Je veux pas abîmer le produit. Ah, ok, on a d'autres composantes à l'intérieur. On le voit ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a d'autres composantes à l'intérieur. Tiens, on peut mettre ça ici. On le voit mieux. Ouais. Donc, toutes les composantes. On peut peut-être les... Je ne sais pas comment il y en a. Ils ne l'écrivent pas sur la boîte. On peut peut-être écrire. On peut peut-être les compter. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Il y en a un courbé ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner pareil.
J'étais rendu à quoi? Je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6,